La première du film a lieu à Los Angeles. Le vétéran Will Sharp tente de s'entretenir avec les représentants de l'assurance médicale afin d'obtenir le financement de la chirurgie expérimentale du cancer de sa femme Amy. N'ayant que peu d'alternatives, il n'obtient aucune aide car l'assurance ne prend pas en charge les procédures expérimentales. De plus, le couple doit s'occuper d'un nouveau-né. Il ment à sa femme en lui disant que l'assurance est arrivée. Après cela, Will part sous prétexte de se rendre à un entretien d'embauche, mais en réalité, il rencontre son frère adoptif Danny, un braqueur de banque notoire. Danny et son groupe ramènent à Will plusieurs voitures volées dans la maison de Danny. Will reconnaît son désespoir et Danny sait qu'il a besoin de quelque chose. Danny accepte de l'emmener avec lui pour une tâche qu'ils doivent accomplir le jour même. Le travail, cependant, il n'y a pas de quoi s'énerver. Will hésite car il s'attaque à la banque fédérale de Los Angeles, qui contient 32 millions de dollars. Danny le rassure en lui disant qu'il a besoin de quelqu'un en qui il peut avoir confiance et qu'ils gagneront beaucoup plus d'argent que le coût de l'opération. Will accepte à contre. Dans un autre quartier de la ville, Lindsay, une petite fille blessée dans un accident de voiture, attend l'ambulancier Cam Thompson et son nouveau partenaire Scott sur le site. Alors qu'ils abaissent la barrière pour libérer Lindsay, Cam l'apaise. Plus tard, alors qu'ils déjeunent ensemble, Scott dit à Cam que Lindsay va se rétablir. Cam répond que cela n'a pas d'importance parce qu'elle fait son travail comme tous les autres jours, sans s'attacher à qui que ce soit. Scott mentionne qu'il est au courant de la réputation de Cam et que personne d'autre ne veut collaborer avec elle malgré le fait qu'elle soit le meilleur médecin de la ville. Lorsque Danny et ses hommes de main se rendent à la banque, Will les accompagne. Zach et Mark, deux policiers, décident d'aller à la banque pendant ce temps, car Zach a un faible pour l'une des caissières et veut l'inviter à sortir. Mark le pousse à aller jusqu'au bout. Danny et les autres avaient déjà commencé à tenir les autres employés en joue lorsqu'il entre. Zach est certain qu'il doit retourner au travail et veut créer un compte dès que possible, mais Danny, qui se fait passer pour le directeur de la banque, dit que la banque est fermée parce qu'elle est en pleine période de transit. Lorsque Zach demande le nom de famille de Danny, le caissier lui en propose un faux. Zach remarque qu'il y a quelque chose d'étrange dès qu'il voit son vrai nom et qu'il s'approche de la fenêtre pour lui parler. Danny sort rapidement son arme, ordonne à ses copains de dégainer la leur et contraint Zach à agir calmement pour qu'ils puissent prendre ce qu'ils veulent et s'enfuir. Ignorant ses véritables motivations, Mark aide un membre de l'équipe à l'extérieur de la banque alors que son véhicule est en panne. Le criminel tente d'écraser Mark une fois que la couverture de l'équipe est révélée, mais Mark s'esquive à temps. Les autres membres de l'équipe et les flics s'affrontent alors que Will et Danny commencent à partir avec Zach comme prisonnier. Lorsque le SWAT est envoyé sur les lieux et encercle les soldats de Danny, qui sont tués un par un, la situation devient violente. Zach tente de repousser Danny, ce qui pousse Will à tirer sur Zach. Zach est laissé sur place alors qu'il commence à s'enfuir, mais Mark le retrouve. Alors que les flics encerclent tout le bâtiment, y compris le toit, le départ de Danny et Will est interrompu. Lorsque Zach arrive, Danny fait partir Scott et demande à Will de prendre son uniforme pour qu'il puisse prendre l'ambulance. Cam et Scott sont appelés en renfort. Danny saute derrière Cam et lui ordonne d'obtempérer sous la menace d'une arme. Alors qu'il commence à partir, un groupe de voitures de police leur bloque le chemin, mais Cam parvient à les persuader de les laisser passer après qu'ils aient réalisé que Zach y est soigné. Scott est retrouvé dans le coma et Mark découvre que Will et Danny ont pris le contrôle de l'ambulance. Cela provoque l'arrivée d'autres agents des forces de l'ordre, comme le capitaine Monroe du SIS, qui détermine comment en finir avec eux. Anson Clark, un agent du FBI à la tête d'une section spécialisée dans les braquages de banques, est également mis à contribution. Il dit à Monroe qu'il a une relation personnelle avec Danny et qu'il sait que c'est lui qui est responsable du crime. Il sait également que Danny a été entraîné dans cette vie par son infâme père criminel. Monroe prévient les autres policiers et agents de ne pas arrêter l'ambulance simplement parce que Zach se trouve à l'intérieur. Voyant que des hélicoptères de la police les poursuivent, Will arrête l'ambulance dans une ruelle. Lorsque Cam tente de s'enfuir, Danny l'attrape et la ramène à l'intérieur. Will traverse la ville à toute allure alors que l'heure de pointe approche et que les policiers le poursuivent. Afin d'être prêt pour leur arrivée à Boyle Heights, Danny, qui est désespéré et a besoin d'aide, prend contact avec Castro, un autre escroc.
Danny discute également avec Papi, un ancien chef de cartel qui employait le père de Danny. Les malfrats locaux commencent à préparer une voiture sur laquelle est fixée une mitrailleuse. Danny est contraint de s'occuper du défibrillateur tandis que Cam tente de stabiliser Zach. Lorsque la police tente de les encercler dans un parking, Danny leur fait comprendre qu'il ne plaisante pas en ouvrant la porte arrière et en menaçant de tuer Cam. La police recule alors et leur laisse un peu d'espace. Will reproche à Danny d'être revenu sur le siège avant et jure qu'ils ne feront pas de mal à Cam et qu'ils ne l'assassineront pas. Danny l'informe qu'il devait prendre cette mesure pour s'assurer que la police les prenne au sérieux, car à ce stade, l'état de Zach à l'arrière est la seule raison pour laquelle la police n'a pas pris de mesure. Cam tente d'arrêter l'hémorragie de Zach, mais elle n'est pas sûre de savoir comment s'y prendre car elle n'est pas une professionnelle de la médecine. Elle contacte à contre son ex-petit ami Colin, un médecin, qui la met en contact avec deux autres chirurgiens par chat vidéo pour l'aider dans la procédure. Ayant été militaire et ayant acquis une certaine formation médicale, Will la rejoint à l'arrière pour l'aider. Ils n'ont d'autre choix que d'essayer d'extraire la balle en perçant l'estomac de Zach. Zach se réveille et s'agite à un moment donné, ce qui pousse Will à le frapper et à l'assommer. La connexion s'arrête brusquement pour cause de batterie faible au moment où Cam tente d'extraire la balle de la rate de Zach. Grâce à la pince à cheveux de Cam, ils parviennent à la coincer et à arrêter l'hémorragie. Lorsque Monroe contacte Colin, il apprend que le flux vidéo s'est arrêté juste avant que la rate de Zach n'éclate. Monroe donne l'ordre à un certain nombre de tireurs d'élite de s'installer et d'attendre le passage de l'ambulance, supposant que Zach est décédé. L'objectif est d'assassiner Danny et Will en même temps. Cela agace Clark, qui tente de contacter Zach sur son téléphone pour essayer d'avertir Cam qu'il risque d'être blessé. Bien que l'ambulance reçoive plusieurs coups, ils parviennent à l'éviter et à utiliser leur mouvement pour forcer les autres voitures de police à s'écraser. Elle l'informe que Zach est toujours en vie. Elle décide ensuite d'informer Will et Danny de la présence des tireurs d'élite. Danny appelle alors la police par radio pour leur faire savoir qu'ils n'ont plus besoin de Cam, après s'être énervé contre eux pour leur inaction. Will intervient et tente de calmer Danny qui essaie de lui tirer dessus. Cam se dirige vers le siège passager pour que Zach puisse recevoir une transfusion sanguine de Will. Elle découvre également que Will est marié, père d'un enfant et membre des Marines. Amy se fait passer pour une personne interviewée, lui téléphone et discute avec lui par vidéo, croyant qu'il a été engagé pour le poste. Will ment et prétend qu'il ne peut pas rester au téléphone car il voulait qu'il commence à travailler aujourd'hui. Cam a beau essayer de faire changer Will d'avis et d'accuser Danny d'être à l'origine de la situation, Will reste impassible. Après avoir emmené l'ambulance jusqu'à la rivière, Danny ouvre le feu sur un hélicoptère et Will manque de les perdre dans la circulation en sens inverse. Ils arrivent à leur cible, où Castro commence à peindre l'ambulance à la bombe pendant que Monroe et son groupe se préparent à les affronter. Monroe ferme les issues, mais les criminels se séparent en plusieurs ambulances et lancent une mitrailleuse sur le rassemblement de policiers, leur tirant dessus à tous et tuant Monroe au passage. Roberto, le fils de Papi, envoie une autre ambulance chargée d'explosifs pour faire sauter d'autres policiers. Après une bagarre, Mark oblige Roberto à se tirer une balle dans la tête, ce que Papi observe en direct aux informations, après avoir vu Roberto et l'avoir poursuivi. Afin de donner sa part de l'argent, Will et Danny se rendent chez Papi dans l'ambulance. Papi est furieux de la mort de son fils et exige d'autres représailles de la part des garçons. Il ordonne aux frères de laisser Zach et Cam derrière eux. Mais Will est déterminé et ne veut pas les abandonner. Se rendant compte de sa situation, Danny décide de soutenir son frère et fait équipe avec lui pour assassiner Papi et ses amis. Zach, quant à lui, se réveille brièvement et découvre les circonstances. En outre, il découvre qu'il a toujours son arme sur lui et la remet à Cam par précaution. Alors que Will se précipite vers l'ambulance, Cam tire involontairement sur lui par peur. Lorsque Danny arrive un peu plus tard, il croit qu'il s'agit d'un autre mafieux. Danny part à toute vitesse avec l'ambulance, suivi de près par les flics. Puisqu'il a déjà cédé et qu'il ne pense qu'à sauver la vie de son frère, il se rend directement à l'hôpital, où ils sont accueillis par une flopée de policiers. Pour tenter de persuader Danny d'abandonner sous peine d'être abattu, Clark l'appelle. Danny entre à l'arrière, croyant que son frère est mort. Il découvre également le Glock sur le sol et apprend que Cam a tiré sur Will. Sachant que Will va mourir de toute façon,
Cam tente de la faire sortir sous la menace d'une arme avec l'intention de l'emmener avec lui. Un coup de feu retentit au moment où Cam et lui s'apprêtent à sortir. Will a tiré sur Danny dans le dos. Lorsque Will est sorti de l'ambulance et placé à côté de Danny, ce dernier lui présente ses excuses avant de s'éteindre. Quand Amy arrive, elle trouve Will et est bouleversée par le fait que personne ne l'aide. Bien que Cam soit attaché, elle fait tout son possible pour sauver la vie de Will. Pendant ce temps, les flics observent ses efforts pitoyables en contrebas. Ils finissent par emmener Will se faire soigner après qu'elle leur ait fait entendre raison. Après cela, elle discute avec Amy et place subtilement une partie de l'argent volé dans le siège auto du bébé, comme Cam l'avait demandé à Will. Will peut leur faire signe tandis qu'Amy et son bébé regardent son conjoint par la fenêtre. Après avoir entendu le récit de Zach, Clark demande qui lui a tiré dessus. Disant que Will lui a sauvé la vie, il fait un geste vers lui. Puis, dans une rare démonstration d'affection, Cam se précipite dans la chambre de Lindsay et lui tient la main lorsqu'elle se réveille. Avant la fin du film, elle quitte ensuite l'hôpital à la tombée de la nuit. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine pour un nouveau film sensationnel, bisous.